Bonjour à tous, je suis Lula Morales et vous êtes sur Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces moments où il ne faut surtout, surtout, surtout pas laisser vos coordonnées à une fille. Alors, pour m'expliquer, je vais vous raconter une anecdote. Récemment, j'étais allée à une soirée avec deux amis que j'appellerai Mathieu et Eric. Et il y avait une fille qu'on appellera Lisa qui était magnifique. Vraiment, vraiment très très belle. Initialement, c'est mon copain Mathieu qui avait toutes ses chances avec elle et donc il a commencé à flirter avec elle. Et elle était vraiment vraiment très très mignonne. Et puis au bout de 20 minutes, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à une fille pas très équilibrée, complètement hystérique. Elle lui racontait déjà ses drames familiaux, les moments les plus gênants de sa vie ou les choses les plus dramatiques. Et donc, au bout de 20 minutes, il a tout bonnement lâché l'affaire, fût-elle belle. Et il a pris la décision de rentrer très très sagement chez lui, tout seul, en lui disant « Bah écoute, on se recroisera dans une autre soirée à l'occasion. » Et puis, il avait mon pote Eric, qui la trouvait tout aussi magnifique, tout aussi hystérique, mais tout aussi magnifique, et qui, en fait, lui a donné son numéro de téléphone juste avant avoir passé la nuit avec elle. Et mal lui en a pris puisque elle l'a complètement relancé indéfiniment. Elle l'a quasiment harcelé après lui avoir bien évidemment reproché de n'avoir passé qu'une seule nuit avec elle. Et donc il s'est retrouvé un peu à la merci d'une fille qui lui a un peu fait payer son intérêt. La conclusion de cette histoire, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'avant de donner vos coordonnées à une fille, demandez-vous ce qu'elle va en faire. Si vous avez l'impression que lui donner vos coordonnées sera lui donner l'opportunité en fait de vous relancer indéfiniment, d'être beaucoup trop intrusive ou de vous faire payer entre guillemets votre intérêt, ne le faites pas, surtout. Donner ses coordonnées à une fille, c'est lui donner malheureusement l'opportunité de vous contacter très régulièrement. Si vous n'avez pas envie d'être contacté très régulièrement, faites attention. Je vous invite plutôt à prendre ses coordonnées et à la recontacter que si vous êtes sûr d'avoir envie de la revoir et donc à y regarder à 12 fois avant de la relancer. Surtout si vous sentez qu'elle manque d'équilibre et qu'elle vous a laissé clairement entendre qu'elle n'a pas un comportement très rationnel ou un comportement de personne qui va bien. Voilà, cette vidéo un petit peu curieuse est terminée, mais dans tous les cas je pense qu'elle était nécessaire. Dans tous les cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss.